janvier, alors que parallèlement à l'offensive des Ardennes, une poussée allemande menace la rive gauche du Rhin, la première armée française prend à son compte la défense, puis la libération définitive de l'Alsace. Le général Delattre de Tassigny dirige en personne les opérations. Les unités américaines participent à l'action. Le 23 janvier 1945, les Alliés ont franchi la Fechte et occupé la forêt domaniale de Colmar. Le 24, la rivière Ill est traversée entre Illhausern et Hussen. 40 cm de neige recouvrent le sol. Le froid est intense. À l'est d'Illhausern, l'ennemi fortement retranché dans un secteur boisé se défend âprement. La voiture de tête d'un convoi est touchée par un 88 allemand. L'évacuation des blessés s'organise. Dans ce secteur difficile, le commandement français doit briser la résistance acharnée d'un ennemi rompu au combat défensif. De jour comme de nuit, les canons mêlent leurs aboiements rauques aux grondements des blindés. Les chars ennemis cessent le feu, mais le feu qui les consume ne cesse pas. Les Allemands cessent le combat, mais le combat qui nous conduit vers l'Allemagne se poursuit. Blessés, courbés par le froid, la fatigue et la défaite, ces hommes, en se rendant, nous rendent une province volée. Et de nouveau, les fantassins silencieux et les chars bruyants progressent, jalonnant leur avance d'engins en feu et de cadavres gelés. Jebsheim, ce village est le dernier que nos troupes rencontrent avant le canal du Rhône au Rhin. Ici, l'arme sournoise, la mine, ralentit notre approche. Après le sable d'Afrique et la terre italienne, c'est la neige d'Alsace qu'il faut ausculter aujourd'hui. Ce sont aussi les mêmes gestes qui se répètent dans ces villages morts où les yeux entrouverts des fenêtres lancent des éclairs qui tuent, où se déroule un sinistre jeu de cache-cache. S'accroche, ce sont des ruines qu'il faut lui arracher. Et parfois, hélas, la mort nous vole une libération. Hier, il levait un bras, aujourd'hui, il lève les deux. La victoire ou la Sibérie? Les auteurs de cette inscription n'auront plus le choix. L'Alsace reste allemande. Défi que la retraite nazie rend ridicule. Demain, ce village ressuscitera français. C'est désormais comme prisonnier que des Allemands fouleront le sol alsacien. Entre le 25 janvier et le 1er février, le canal de Colmar est atteint puis traversé. Une pointe américaine vers le Rhin isole au nord-est de Colmar de nombreuses unités ennemies. Deux divisions françaises, franchissant l'île sur un vaste front, vont les refouler vers l'Allemagne. La tenaille se resserre sur la poche de Colmar. Des éléments partis de Mulhouse atteignent Wittenheim, qui est le théâtre de rudes combats. Ici encore, la guerre ravage un bourg paisible. Ici encore, la neige recouvre des armes et des combattants qui ne parleront plus.
ceux qui, sortant de leur cave, retrouvent encore une maison debout. Tandis que les responsables de tant de misère sont acheminés vers le camp d'internement, d'autres colonnes se forment, colonnes pitoyables des sans-abri, contraints d'abandonner les pauvres restes d'une vie de dur labeur. Ils s'en vont droit devant eux, hésitant à ces carrefours inconnus qui marquent les étapes de l'immense chemin de croix des réfugiés. Le 2 février est un nouveau jour de gloire pour la première armée. Tandis qu'au nord s'achève le nettoyage de la rive gauche du Rhin, la 5e DB poursuit son avance victorieuse vers la dernière grande ville de France aux mains de l'ennemi. Colmar est proche. Aux abords immédiats de la ville, des villages ont beaucoup souffert. La retraite, comme jadis l'avance de l'armée allemande, chasse des Français de leur foyer. Grâce à une tactique hardie, c'est une ville intacte qui va tomber entre nos mains. Une pancarte allemande, une ville française, c'est Colmar enfin, dont nos blindés troublent le silence inquiet. Personne dans les rues. On n'ose pas croire au départ définitif des nazis. Quelques tireurs isolés, des snipers, se manifestent ça et là. Peu à peu se révèlent des candidats prisonniers. Beaucoup d'entre eux savent les Cosaques à trois étapes de Berlin. Ils n'ont plus d'illusions. Bientôt, ce sont les civils eux-mêmes qui viennent livrer les rescapés de l'orgueilleuse Wehrmacht. Dans la seule poche de Colmar, 17 000 hommes sont tombés aux mains des Alliés. Affamée par l'ennemi, la population en est réduite à dépecer le cadavre d'un cheval. Du pain réservé aux troupes nazies est récupéré. Enfin, la grande nouvelle s'est propagée. Les Français sont là. Cette fois, les derniers doutes disparaissent. Les dernières craintes s'envolent. Tout le monde donne libre cours à sa joie. En quelques instants, c'est une ville en fête qui acclame nos soldats et leurs vaillants camarades américains. Après la rude mêlée, les combattants connaissent la caresse d'une joue féminine ou d'un fameux vin d'Alsace. Ce ne sont plus les rues qui sont désertes, mais les maisons. Un ciel pur brille sur la neige que le sang des nôtres a rougi. L'Alsace redevient tricolore. Plus de place pour Hitler, plus de rue sans joie pour Göring. En compagnie des généraux de Vernejoul et Milburn, le préfet et le maire de Colmar font une émouvante rentrée dans leur ville libérée. Habitants de Colmar, après 4 ans et demi d'oppression et de souffrance, votre cité retrouve la mère patrie et le drapeau tricolore. Jamais un nouveau 9 novembre. Non, en effet, jamais. La première armée a reconquis l'Alsace. C'est sur son propre territoire que l'ennemi devra demander grâce. Le Rhin est atteint, la France a retrouvé ses frontières.